Alors d'abord, il ne faut jamais perdre de vue que quand on a été aussi longtemps, pendant tant d'années en déficit, on a accumulé une dette sociale. La dette sociale aujourd'hui, elle est encore de 120 milliards et nous devons la rembourser. Nous pensons que nous aurons fini de la rembourser en 2024. Donc ne perdons pas de vue que... Il ne faut pas non plus relâcher les efforts parce que nous sommes revenus à l'équilibre. Être à l'équilibre, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'avant de se dégager des marges de manœuvre, ça nous met aussi à l'abri d'un risque qui est celui d'un système déficitaire qui est le déremboursement. Et donc je pense que ça, c'est aussi une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis se donner des marges de manœuvre, c'est aussi pouvoir investir, vous l'avez dit. Et il y a une réforme aujourd'hui dont nous venons de la rendre publique, qui est aussi une réforme d'investissement, c'est celle sur la réforme du dentaire, du reste à charge zéro. Et c'est une réforme qui nous amène à investir. La Sécu investira 700 millions d'euros destinés à réduire le reste à charge des assurés. Donc le remboursement intégral de certaines lunettes, ça c'est pas encore conclu, de certaines de prothèses dentaires, vous venez d'en parler, des prothèses auditives aussi, tout cela pourra effectivement avoir lieu et être financé. Eh bien, c'est l'objectif. Ouais. Ça va se mettre en place progressivement. Et on aura à peu près, je pense, en 2021, une réforme qui sera complètement entrée en vigueur, qui va vraiment marquer un avant-après. C'est-à-dire que pour des millions d'assurés qui aujourd'hui sont exposés à des coûts qui sont plusieurs centaines d'euros, parfois des milliers d'euros sur les prothèses auditives, ça va être zéro. Simplement, on va passer de 500 000 à zéro. Ouais. Et évidemment, ça suppose un financement de l'assurance maladie, un financement des complémentaires qu'on a évidemment calé, phasé, programmé sur 5 ans pour que ceci reste évidemment compatible avec nos équilibres. Nicolas Revel, est-ce que vous pouvez...